Salut tout le monde! On espère que vous allez bien, en tout cas nous! Ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, je vais couper les cheveux de Diane! Non, aujourd'hui, Megan sera la coiffeuse plutôt. Je vais couper les cheveux de Diane! Allez, ça revient pareil. Donc, on va tout de suite commencer, on va lui couper sans les... perdre de temps. On va lui couper les bouclettes. Merci Eva. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, elle vient de sortir de la douche. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'elle a les cheveux mouillés. Donc là, on va commencer par lui couper les cheveux. On va lui faire un petit dégradé, les amis. Donc, un petit dégradé, moi je sais faire. Oui, tout à l'heure, elle fait, tout à l'heure, elle dit à Negin, ah, oh, attends, non, c'est trop peur. Allez. Negin, fais pas ça. Attends, attention, prends-le bien. Allez, 1, 2, 3. Je vais les tenir. Bouge. Tout à l'heure, elle dit à Negin, est-ce que c'est vrai, tu vas vraiment me couper? Première mèche. On va couper les cheveux de Diana. Donc c'est pas la première fois qu'on lui coupe les cheveux. Hein. Bon, la dernière fois c'était ma mère. Cette fois c'est moi. Donc là, deuxième mèche. Nous allons couper. Alors attendez. Donc là elle coupe un peu comme ça et après elle réajustera. Voilà. Ça lui fait un petit dégradé. Ah, c'est trop bien coupé. Allez. On se dépêche. Donc voilà, pour l'instant il y a ça. Attendez, là c'est plus long. Le dessus, je vais le faire moins long parce que vous savez, dans mon métier de coiffeuse, ben ça va lui reboucler. Mais non, laisse, on s'en fiche. Ça va lui remonter. Tu vois, moi j'étais maquilleuse professionnelle, elle coiffeuse professionnelle. Ah, des petites mèches. C'est la vie, moi j'étais. Ah, elle a les cheveux super longs là. Ben regardez. Oui, non, mais ça touche la caméra carrément. Parce que. Pourquoi? Vous allez nous dire en commentaire pourquoi vous coupez les cheveux de Diana. Donc déjà de 1, il y a beaucoup de raisons. De 1 parce que en fait on veut lui laisser pousser ses cheveux. Mais ma mère quand elle veut peigner en fait elle laisse pas peigner Diana. Voilà. Et parce qu'elle a tout le temps des nœuds. Et aussi bon, Diana si t'as arrêté de bouger la tête. Bouge pas la tête. Bien gentil. Voilà. Et moi du coup en fait on fait pareil que moi. En fait je vous montre une photo de moi. Attends, quand j'étais petite. Je me suis coupé les cheveux jusqu'à 5-6 ans je crois, même 7 ans donc voilà. Et puis maintenant vous voyez qu'ils sont tout longs donc non t'as peur. On peut pas lui faire de belles coiffures tout ça donc autant qu'elle ait les cheveux. Ah elle a eu un petit frisson là. Autant qu'elle ait les cheveux coupés. Oui, et puis vu que c'est l'été, bah, c'est toujours mieux d'avoir les cheveux coupés pour les enfants en fait. Elle a une petite brosse. Arrête. On continue. Hop là. C'est surtout le devant. Il va me couper tous les cheveux. Tu vas être crâne rasé. Comme quand t'étais née. Ah, regardez le bruit. Ah, ça me dégoûte, j'aime pas ce bruit. Ça me fait même pas qu'on coupe comme ça. Bon, moi je serai jamais coiffeuse. Et si un jour je suis coiffeuse, ne venez jamais dans mon salon de coiffure. T'as des beaux cheveux. Faut qu'on lui laisse en haut parce que comme ça, ça fait du volume. Parce que si on lui laisse pas ses cheveux dans en haut, déjà ça fera plus de volume et c'est moche. Déjà surtout en bas. Il y a plus de cheveux. Tu peux voir maintenant de ce côté-là. Diana, regarde là-bas. Là-bas. Voilà. La frange. Enfin, la frange. Je me mets devant pour allumer. C'est comme les vrais coiffeurs. Oui, mais les coiffeurs ils font avec un peigne. Ah, mais Diana bouge pas. Voilà pourquoi on l'amène pas non plus chez le coiffeur. Si vous vous demandez. Si des fois elle va chez le coiffeur, on lui lave les cheveux. Au coiffeur. Oui, on lui lave juste les cheveux. Non, mais c'est pas comme ça. C'est au-dessus de la main, pas dessous. Et je sais pas. Ah, je suis choquée. Non mais j'y arrive pas aussi. Je fais ma technique, ça va être très joli. Mais regarde là, c'est moche, regarde. Mais de quoi? Elle a ce truc. Tu vas pas lui laisser ça quand même. Non, c'est un peu trop court. Non mais c'est en haut, voilà. Oula. Mais j'y arrive pas. Moi, mais qu'est-ce qu'elle fait? Encore trop bien. Court. Regarde, quand on met... Attends, elle touche plus. Elle dit que quand on met ça comme ça...
ça lui gêne. Tu vois, je t'avais dit que c'était un peu la frange. Oh non, c'est trop moche. Alors, si vous vous demandez si moi j'ai fait la frange et tout, oui, j'ai fait la frange. Je crois que tout le monde a fait la frange au moins une fois dans sa vie. Non, mais non, moi j'ai pas fait ça. Moi j'ai fait la frange comme ça là, comme on a montré. Aïe. La frange à droite, la branche à gauche. Enfin, une fois la frange à droite, une fois la frange à gauche. Mmh. Moi j'ai fait toutes les franges du monde. Toutes mes cheveux. Ah bah oui, t'avais beaucoup de cheveux. Hein. Ouais, donc en fait, quand Megan, Diana, quand Megan... Attends, bouge pas. Tu peux me tourner les cheveux? Attends, regarde. Quand Megan, regarde. Oh bah, elle fait que bouger, je suis en train de... Heureusement que t'as que 3 ans. Voilà, c'est bientôt fini. Tu peux te, je te libère dans non, là, 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 là. Là. Ça. Là. Alors, on va lui faire une petite coiffure maintenant. Hein, Diana? Oh, oui. T'imagines, tu lui fais une natte? Mais non. Mais si, c'est possible. Hein. Tu commences de là. Non. Et voilà. Mais ça fait un chignon. Comme ça. Ah. Et voilà, Diana. Mais attends, d'abord on la laisse découvrir. Allez, tourne pour montrer aux abonnés comment sont tes cheveux derrière. Et c'est plus court. Vraiment. Est-ce que tu aimes bien, Diana? Oui. Tu es contente? Ouais. Je suis une bonne coiffeuse. Oui. Est-ce que tu aimes ma coupe? Est-ce que tu aimes sa coupe? Dis-le en commentaire. On va regarder les commentaires. Donc n'hésitez pas à en mettre plein. Au revoir. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et à la partager. Ça nous fait toujours plaisir. Et tous nos réseaux sociaux sont en description. S'il vous plaît, on va encore tourner une vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Et d'ici là, prenez soin de vous.